entraînant aujourd'hui du Kiwi. J'espère que vous êtes prêts. Donc, semaine 7 déjà. C'est incroyable comment ça a passé vite. Donc, un petit midi pluvieux. Donc, c'est un bon temps pour aller chercher ses chaussures et venir vraiment là, faire l'entraînement avec moi ce midi. Donc, préparez-vous, gorgez d'eau, bouteille d'eau. Et on y va ensemble pour notre entraînement ce midi qui va être assez intense, vous allez voir. Donc, une belle progression là, qui nous reste seulement une semaine la semaine prochaine et ensuite c'est notre défi. Donc, je vous souhaite un super bel entraînement. On commence tout de suite. Hi everyone! Let's go, on y va avec with the warm-up. Let's go, guys! Juste talons fermes, on amène les talons derrière les cuisses. Let's go, on bouge les bras. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Une semaine bien remplie. J'ai vu des photos de lever du soleil. Magnifique, il y en a vraiment qui ont osé se lever très tôt. Donc, je parle aussi de notre défi de la semaine un peu plus tard. On s'en vient sur le côté, step touch. On bouge les bras. Allez, pousse bien les bras haut. Excellent, let's go les filles. On continue. Allez, allez, come on guys. 3, 2, on y est ici, touche. Garde le bras bien allongé, on croise. Super! Donc, notre défi de la semaine, là, on a besoin de vos familles, de vos amis, pour qu'ils puissent vous filmer quand vous revenez de votre course, toute heureuse, les joues rouges, peut-être en sueur. On s'en vient sur le côté, croise derrière. Donc, demandez à votre frère, à votre papa, de s'impliquer aussi cette semaine, on veut voir vos vidéos. Allez, come on, allongez les bras. Super! On vient vraiment augmenter la fréquence cardiaque encore une fois. Je répète à chaque séance, l'échauffement super important. 3, 2, ainsi, on punch. Punch, punch, punch. De chaque côté, on réchauffe nos bras. Super! Gardez les abdos engagés. Punch, punch. Allez, dynamique. Yes. 3, 2, on se revient sur le côté. Hop, hop, hop. 1 et 2. 1 et 2. Génial. Je pense que c'est le premier mardi qui fait un peu plus gris. Hein, on a eu des mardis très chauds pour les dernières semaines. Donc, profitez-en. Ça fait du bien juste peut-être en un peu de soleil dans votre journée. 3, 2, 1. Restez ici. Hop, hop, croisez les genoux. Hop. Excellent. On amène le genou à 90 degrés. Torsion du tronc en même temps. Hop. Super. Allez, les filles. Allez, allez, raquette. On peut rouler les bras. Et attention, touch! On touche le sol. Encore. Football. Touch! Encore. Go, go, go. Touch! Touch! Reviens tout le temps. Touch! Super. Touch! Encore, encore. Go, go, go. Touch! Touch! Et on s'en vient jumping jack ou ferme. Ça fait que les coudes ici, sans saut. Allez-y de chaque côté, aucun problème. Allez, regarde le sourire, les filles, come on! Woohoo! Go, 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 20 secondes! Ha! Yeah! 5, 4, 3, 2, et 1, 2. On revient à la marche, respirez, prenez une bonne inspiration. Keep breathing. And good job. We'll start with the first round. So today we have 18 movements. We have 18 different movements. Donc 18 mouvements différents. Alors, il faut
aller là, avec un bon roulement. Donc, on commence avec squat popcorn. On s'en vient ici. Ramène et up to jump. Squat. Ramène, up. Ce qui est important, c'est de revenir toujours les genoux parallèles. On y va, on part ça. Dans 3, 2, 1, let's go. And pop. Squat popcorn. Peut-être qu'après, vous allez pouvoir vous relaxer devant un petit film aujourd'hui. Mais là, pour l'instant, on vient pousser. Let's go. Squat. Push. Up. Up. Excellent. On va en profondeur. Go, go, go. Si tu veux pas sauter, fais juste monter sur le bout des orteils. Lève les talons. Hop. Squat. Hop. Hop. Go, go, go. Yes. Deux. On monte. Respirez. Go, gang. On commence à le sentir. Et là, on va soulever les hanches vers l'arrière. Un ballon. On monte, inspirez.
pouce. Inspire. Expire. Profite-en pour recouvrir ton souffle. Reprendre un peu de l'énergie ici. Inspire. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez pousser ici. Faire les points à la place. Quelle option? Inspire. Hop. Allez, on lève le plus haut possible. Engage les fessiers. Excellent. On lâche pas. Yes. Oh. 5, 4, 3, 2. Et on vient relâcher. Magnifique. Maintenant, viens dérouler sur ton tapis. On vient fléchir la jambe gauche. Amène ta main gauche ici pour pousser contre ta cuisse. Main derrière, ouvre le coude. Et là, tu amènes ton coude vis-à-vis ton genou. Mais tu pousses dans ta main pour venir créer une pression sur ta cuisse. Squeeze. Magnifique. Allez, gang. Respire. Ça va super bien. Allez. On croise. Up. Attention, on va faire la même chose. On the other side, same thing. And switch. Let's go. Push and twist. Come on. Elbow open. Very good. Come on. Engage your obliques. Yes. Squeeze. Again. Up. Pour 4. 3. 2. Last one. Very good. Come back up. We have one round done, guys. Super bon. Donc, on va faire ça. Nouveau mouvement, mais dans la même idée. Donc, ça va être des squats croisés cette fois-ci. Squat, croise. Squat, croise au milieu. Good. 3, 2, 1. C'est parti. Squat. Inspire. Si tu ne veux pas sauter, croise. Croise. OK? Sinon, descends-le. Up. Orteil vers l'extérieur. Expire. On part. Let's go, gang. Super bon pour tes cuisses. Yes. Woo! Descends. Come on. Hop. Allez, lâchez-moi pas. Go, go, go. Gardez votre sourire. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Bravo. On s'en met en planche. Donc, on va faire une planche avec un seul bras. Donc, tu viens t'installer sur l'avant-bras. Pieds ou genoux au sol. Garde tes hanches droites et tu viens coller ta main ici. C'est parti. On tient. Regarde en avant ton tapis. Good. On maintient. Et là, je veux vraiment que tu poses dans ta hanche. Yes, on tient, on tient. Gardez-le. Ouh là là! C'est un bon défi, ça, les filles. Come on. Restez là. Concentrez-vous. Respirez profondément. 5, 4, 3, 2. Changez de côté. On colle la main sur la hanche. Allez, go, go, go. On tient. Pose dans tes deux pieds. Yes. Woo! On peut déposer sur les doigts tout normal. Allez, pour 7, 6, 4, 3, 2, et 1. On relâche. Magnifique. Remonte debout. On est rentré à notre mouvement d'équilibre. So, balance movement. This time, we do a deadlift plus a knee up. So, you go down and up. Same leg. Down and up. Let's go. Pull back. Try to keep your shoulders hip distance and low down. Come back up. Squeeze your lower abs. Very good, guys. Two more on this side and then we'll switch. Come back. And other side. Let's go. Down. And up. Good. Essayez de voir si un côté qui est plus difficile que l'autre. Mon côté difficile, c'est celui-là. Je vais voir là, que je travaille un peu plus fort. Allez, let's go. On relance. Deux derniers de ce côté.
Super, tout le monde. Prochain, c'est nos burpees. Quand tu vas faire, il est en arrière de ton tapis. Un jump, descend, burpees, ramène tes pieds, jump vers l'arrière. Je le refais. Burpees, hop, ramène, jump vers l'arrière. C'est bon? Allez, gang, on s'installe, on attaque. 3, 2, 1, c'est parti. Burpees, ramène, jump derrière. Encore. Good job, go, go, go. Aide-toi avec tes bras. Jump derrière, yes. Keep breathing. Jump back. Very good, beautiful. I know it's a hard one. I know you can do it. Dans combien c'est allé en planche? Ça va être
Martin Kleinberg tempo. Maar vous allez me faire. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, rapide. On s'installe, on y va. Dans 4, 3, 2, c'est parti. 1, 2, 2, 3. Bravo tout le monde, on respire. Balance movement. On va aller travailler les fessiers. Donc reste en avant de ton tapis. On amène les mains ici. Et là tu vas pousser dans tes deux mains pour travailler aussi le haut du corps. Donc garde ton poids sur la jambe d'appui. Kick derrière. Serre tes mains. Good. Allez, on regarde en avant. Pousse derrière. Yes. Come on, kick. Retrouve ton souffle. Beautiful. Génial tout le monde. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils avaient fait l'entraînement 3 fois la semaine dernière. Donc vous pouvez le refaire, hein? Et là, il est sur YouTube, sur votre page du relais. Donc n'hésitez pas à le refaire. Changez de jambe. Relaxez les orteils. Good. Allez, on pousse dans les mains. Squeeze, kick back. Beautiful. Encore. 4, 10, 9, 8, et 5, 4, 3, 2, et 1. Relâche. Excellent. Woo! Le prochain, c'est les burpees. Et là, c'est un vrai challenge, tout le monde. Vous allez faire 2 fentes. Fente. Ramène tes pieds ensemble. Dépose. Allonge, ramène. Et on revient. Si tu veux faire sans saut, fente. Fente. Ramène les deux pieds. Push. Et revient. 2 options. Good. Come on, guys. On a presque fini. C'est votre dernier difficile. Je demande un peu plus de cardio. Are you ready? Dans 3, 2, 1, let's go. Lunge, lunge, reviens, hop, come back, lunge, lunge, burpees, and up, down, down, tu vas à ton rythme, hein, pas besoin de suivre, tout le monde fait ce qu'il peut, c'est ça la beauté du réactif, go, 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 alors, je ramène, come on, allez, tout le monde, vous êtes capable. Woo! One more. And relax. Yes. On revient ici. Sur son tapis, respirez. Ça va bien. On ramène les mains, les doigts vers les fessiers. Et là, on va encore travailler notre équilibre. Vous allez faire. Bras et jambes opposées, regardez bien. Lève les hanches, tu croises, tu reviens. Mets ton poids sur tout ton pied. Hop, essaye-le quelques fois avant de commencer. Hop, reviens. Des fois, on peut comme basculer, c'est correct, c'est normal. Attention, on s'installe, on y va. 3, 2, c'est parti. Expire. Hop, prenez votre temps. C'est pas un mouvement, montez vite. On s'assure d'être bien. L'entrée avant de lever la jambe. Hey! Oh, j'aimerais ça vous voir à la maison. Je sais que vous travaillez bien, je sais que vous travaillez pas. I know you guys working hard. And do your best. Come on. Touch. It's okay if you can go
touch your toes. It just means because I'm really flexible. But you can go and touch your knee, no problem. Up. Come on, keep going. 5, 4, 3, 2, and 1. Good job, relax. Awesome job. Alright, next one. We'll go on your mat. And bring your arms 90 degrees, just like you're running. Donc on amène les coudes comme si vous étiez avec des bras de coureuse. On garde le bas du dos sur. Regardez les pieds et vous allez soulever les talons. Et là, ce qu'on veut faire, c'est comme le mouvement de la course. So you're running, but you're doing crunches. Donc up, up, comme si on courait. Garde les abdos engagés, lève tout le monde. Tourne les épaules. Hop, hop. Pose dans les orteils, lève les talons. Awesome job, come on. Keep breathing, go, go, go. Et là, on va terminer avec un défi. On va monter tranquillement. Hop. Continue les bras, continue les bras. Et on redescend. Keep going. On monte les pieds du sol. Yes. Twist, twist, twist. Come back down. And again. Hop, hop. On monte. Let me think. Twist, twist. Just like you're running. We're at the finish line. Let's go. Come back down. One more time. Hop, hop. Come back up. Yes. Twist, twist, twist. And release and relax. Yay. We did it. Good job, tout le monde. On a réussi. On va s'étirer. Prenez le temps de juste. Peut-être boire une gorgée d'eau, vous éponger. Moi, je suis en sueur, encore une fois. À chaque semaine, je me dis, oh, il va faire un peu moins chaud, mais non. Donc, on oublie tout vers l'extérieur, à l'écran, vers l'avant. On relâche bien le bas du dos. Retrouvez le souffle. Excellent. Donc, vous avez vu qu'on a eu une belle évolution depuis la semaine 1, mon Dieu. Et on revient tranquillement, magnifique. Allongez la jambe droite, venez croiser ici. Gardez les deux ischions au sol, soulevez vos bras. On vient croiser, amenez le regard par-dessus les pouces. Donc, une belle semaine de course qui est prévue, niveau intermédiaire, niveau débutant également. Vous avez des difficultés 8, des difficultés 7 cette semaine. Donc, il faut essayer d'aller un peu au bout de... De notre capacité à aller vraiment chercher un dépassement de soi, ça fait tellement bien. Vous allez voir, votre défi va tellement se faire facilement en ayant suivi tous les entraînements. Donc, ça va vraiment bien aller. On allonge notre jambe, allonge ton bras, twist. Donc, demain, toujours en intervalle. Ensuite, vous avez une semaine en continu. Puis, on essaie de vraiment se. De faire le petit défi de cette semaine, donc demandez à votre papa de filmer à votre famille, de vous filmer en arrivant de votre course, d'aller vers le centre, magnifique, remontez debout tranquillement, et déroulez tout doucement jusqu'en haut. Super, venez chercher la cheville, on va étirer le quadriceps, colle le genou, on ouvre l'épaule. Super. Donc, c'est bon, ça, de travailler nos équilibres. Donc, très, très bon pour la course à pied, de travailler comme ça, rentrer un petit peu les hanches, les conversions du bassin. Excellent. Même chose de l'autre côté. Amenez la main sur la cheville, on ouvre l'épaule. Essayez de coller le genou le plus possible. Merveilleux. On maintient. Et revenez tranquillement avec bonne inspiration, les bras dans les airs, viens chercher ton. Poignet, on s'en vient sur le côté, pousse bien dans les mains et dans les talons. Une inspire, même chose de l'autre côté. Laisse aller la tête. Et on revient vers le centre, amène les mains ensemble, une bonne inspiration. Expire, relâche, laisse aller. Encore un, inspire, aligne, cherche l'énergie. Expire, laisse aller. Et tranquillement, on ramène les mains ensemble, en cœur au cœur. Et je vous dis merci. Bravo si vous l'avez fait en rediffusion. Super. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne douche. Et
On se voit la semaine prochaine, semaine libre, la dernière semaine d'entraînement. Oh mon Dieu, c'est ça. Bye bye!